Mesdames et messieurs, je regrette vivement de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Néanmoins, avec cet enregistrement vidéo, je souhaite vous assurer que tous les pouvoirs locaux intermédiaires, et en particulier ceux qui sont membres de la CEPLI, sont les bienvenus ici dans le bâtiment Jacques Delors. Je me réjouis de l'initiative que vous avez prise avec cette conférence politique consacrée à la démocratie locale et à la gouvernance à multiniveau. Votre réunion se tient à un moment critique pour l'Union européenne, pour notre Union, son économie, sa monnaie, son budget, mais aussi sa légitimité politique et sa démocratie. Face à la perspective de stagnation économique et face aux difficultés budgétaires et aux problèmes sociaux qui les accompagnent, ma conviction profonde est que, en tant qu'élus locaux, nous devons faire preuve de responsabilité politique pour réorienter le modèle européen. Nous devons tout mettre en œuvre pour que les réformes nous mènent vers de nouveaux modes de vie, de consommation, de gouvernance et de croissance surtout. J'ai récemment co-signé avec le président du Parlement européen, Martin Schulz, une tribune dans laquelle nous le disons très clairement. Pour l'Europe, la sortie de la crise passe par l'investissement dans ses collectivités territoriales, car ce sont elles qui réalisent 2/3 des investissements publics, ce sont elles aussi qui doivent continuer à assurer le bon fonctionnement des services publics. Mais au-delà des questions économiques et sociales, nous devons approfondir le fonctionnement de nos démocraties et savoir les adapter à la nouvelle donne de nos sociétés. La gouvernance à multiniveau est l'un des concepts clés que nous devons promouvoir et pratiquer plus systématiquement. Évidemment, à cette période de négociation à Bruxelles et de préparation sur le terrain de la future programmation 2014-2020, notre cheval de bataille est le partenariat dans la politique de cohésion. Nous estimons indispensable que les collectivités territoriales soient pleinement impliquées dans l'élaboration, la négociation et la mise en œuvre des futurs contrats de partenariat et des programmes opérationnels. Mesdames et messieurs, s'il est souvent plus facile de parler des villes et des régions pour désigner en bloc toutes les autorités infranationales, je peux vous assurer que chaque niveau, avec ses compétences propres, a sa place ici au comité des régions. Chaque niveau doit prendre part dans la tâche lourde mais stimulante pour redresser l'Union européenne dans les années qui viennent. À ce titre, les autorités locales intermédiaires constituent un échelon essentiel de la démocratie et de la gouvernance à multiniveau. Je ne doute d'ailleurs pas que mes collègues Luc Van den Brand et Karl-Heinz Lamberts représenteront dignement le comité pendant votre réunion et que leurs interventions stimuleront vos débats. Je vous souhaite une excellente conférence et je vous remercie pour votre attention.